un Camerounais, un Camerounais, un cher compatriote. Une rumeur persistante m'a donné pour mort il y a quelques semaines. À moins que je sois devenu un fantôme, ma présence ici ce jour devrait faire honte à tous ceux qui ont souhaité ma mort. Je leur donne rendez-vous en passant dans une vingtaine d'années. En attendant, j'enverrai volontiers les lettres de condoléances à leur famille s'ils meurent avant moi. Chers compatriotes, comment aurais-je pu mourir sans vous témoigner la confiance et l'attachement que j'ai en vous, peuple camerounais? J'ai simplement compris que parmi vous, il y a ceux qui me détestent, ceux qui m'adorent et ceux qui me haïssent. La rumeur est arrivée comme un coup de tonnerre, ce qui a d'ailleurs failli déstabiliser le système démocratique que j'ai mis en place depuis mon accession à la magistrature suprême. J'aurais cru entendre que lorsqu'on a annoncé que j'étais mort, certains sont allés jusqu'à danser, d'autres sont allés dans les carrefours pour crier victoire. D'autres ont dit à leurs militants, nous avons vaincu le lion. Quel lion? Je tiens à vous rappeler qu'il y a des mots qui ne trompent pas. Un être humain ne saurait jamais circoncier un lion. Ceux qui se disent chasseurs de lions, eux-mêmes ressemblant à des brebis, je tiens simplement à leur rappeler que les brebis, ce sont généralement les déjeuners d'un bon lion. J'ai peur que demain, ils deviennent des chasseurs chassés. Chers compatriotes, je l'ai dit et je le répète, les jaloux vont maigrir. Je sais que les Camerounais adorent le Congo-Cha. Il suffit d'une petite rumeur pour que tout soit amplifié. La preuve en est, quand j'ai épousé Chantou, c'était le Congo-Cha. Vous volez aux finances, c'est toujours Popol. Je nomme un ministre là-bas, tout est détourné, c'est Popol. Pensez-vous que je serai partout à la fois? Je vous rappelle une chose. Vous attendrez longtemps. Quant à moi, je vais vous chauffer. Vive Brenda. Vive Junior. Vive Franck. Vive Chantou, vive Bidungwad, parce qu'il reste mon beau-frère malgré la jalousie que vous avez faite. Je l'ai quand même botté, j'espère qu'il va me pardonner. Vive moi-même, vive les fantômes ressuscités, parce que je tiens à vous rappeler que après Jésus, je suis le seul sur terre qui soit encore ressuscité. Et vive le Cameroun, je vous en remercie.